messager, rasoul, un messager, rasoul, pluriel, rasoul, et tout homme qu'Allah le Très-Haut a choisi pour transmettre son message, et à qui il a révélé une nouvelle loi qui lui a ordonné de transmettre aux gens. Allah, qu'il soit glorifié, a envoyé ses messagers avec des signes évidents et les a soutenus par des miracles, comme le bâton de Moïse, sur lui la paix, qui se transformait en serpent, ou la capacité à soigner l'aveugle-né, le lépreux, et à ressusciter les morts par sa volonté, comme dans le cas de Jésus sur lui la paix. Mais le plus grand des miracles est le Coran qu'Allah, qu'il soit glorifié, a révélé à Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Allah a envoyé des messagers à leur peuple avec le même message. Allah le Très-Haut dit « Certes, nous avons envoyé à chaque peuple un messager qui leur ordonnait « Adorez Allah et écartez-vous du tarot. » Sourate les Abeilles, verset 36. Le terme « tarot » désigne tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Croire en tous les messagers qu'Allah a envoyés est l'un des 6 articles de la foi, et quiconque en renie un seul est un mécréant. Prophète, Nabi. Le terme Nabi, pluriel, Anbiya, signifie prophète. Ce terme s'applique à tout homme à qui Allah le Très-Haut a révélé une certaine loi et lui a ordonné de la transmettre à un peuple non guidé. La différence entre un prophète et un messager est que le messager est un homme envoyé par Allah à un certain peuple, possédant un livre divin ou non, et à qui lui a révélé une loi inconnue auparavant. D'un autre côté, un prophète est un homme à qui Allah le Très-Haut a ordonné de prêcher une loi déjà présente, sans lui révéler un livre divin ou une nouvelle loi. De cette manière, nous pouvons dire que tout messager est un prophète, mais un prophète n'est pas forcément un messager. Les prophètes possèdent d'excellentes caractéristiques comme la sincérité, l'honnêteté, l'infaillibilité, une bonne habileté physique et un moral à toute épreuve, de telle sorte que ni humains, ni djinns n'ont le dessus sur eux. Les prophètes sont des êtres humains qui mangent, boivent, tombent malades, se marient et meurent. Ils ne possèdent aucun attribut divin et par conséquent, ils ne doivent pas être adorés.